Et hey, oh, minasan, c'est Gunjo, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode Fallout 4, 133, partie 7 de l'extension Automatron. Donc voilà, donc là c'est la ligne droite pour la fin de cette, on dirait, extension. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Anise Siroletti, scientifique en chef. C'est la troisième fois que je dois demander plus de sécurité. Nos procédures d'assemblage sont peut-être strictes, mais il ne faut pas oublier le facteur humain. Ce sont des esprits criminels et instables. Ce n'est pas aux scientifiques de vérifier que chaque sujet a bien reçu son sédatif. On m'a promis une aide de niveau militaire, mais ce n'est pas suffisant. Je refuse que mon équipe se retrouve en danger. Aussi passionnant que ce soit d'intégrer l'esprit humain dans une machine robotisée, parfois, j'aimerais ne jamais m'être engagé dans ce projet. Ok. Ok. En gros, c'est des personnes, de mauvaises personnes dans les robots. Ok, c'est pour ça qu'ils sont un peu défaillants. Ouais. Le mot est faible, hein. Ah, Poustade. En fait, il y a que dalle à... Juste, il y a un truc à récolter, regarder le décor, en fait, dans ce truc. Ok. Bon, ben, on va passer par là. Ah, si, il y a des ennemis là-bas. Là, c'est là où ça se corse. Ok. Qu'est-ce que je peux envoyer? J'ai que des grenades. Des mines? Non. On va quand même faire une petite sauvegarde. Ok. Ils ne sont pas captés. On fouille un peu. Oui. What the fuck? Génial. Faut y aller.
Oh, mais quand il faut aller, il faut y aller, hein. Ne craignez rien, monsieur. La victoire nous attend. Ouah, qui a éteint la lumière. Alors ça c'est dégueulasse là. Engagement de cible hostile. Ça fait pas cabo. Ça fait pas cabo. Bon. Ça c'est con, c'est qu'en fait ça m'a donné en fait. Loupé, t'as de ferraille. Que ça va. Je m'en sors. C'est le crématorium ici. Je pense bien que c'était le crématorium. Hein. Ça a l'air chaud, ça. On va changer quelques trucs avec Ada parce que je suis un peu lourd. Hey. Oui. Vous voulez diminuer le poids de votre équipement? Ok, voilà. Putain. Il y a les choses, hein. Ok, donc là, c'était le mot de passe. Il fallait l'ouvrir là avec les gants. J'ai ouvert 100. Scanne ça. Hello. Ah, il est là-bas. Une sauvegarde. Combien de robots là? Oh my god. Ok. J'ai pas ma grosse sulfateuse. Non bah ça c'est petit ça.
Ah, j'ai mon lance-boom, j'ai oublié. Ça risque de piquer à Chouya. Un chouïa, un tout petit chouïa. On prend un pouf tout par là, par là. Un filet d'arion. Un jeu de fuel. Medix. Ouais, ça c'est pas mal. Un petit manta. Le mec il prend toutes les drogues qu'il veut. Un psycho. Un petit vin, une vodka, et un whisky. Allez, et un pibis. What the fuck? Ouais, je suis complètement taré. Fait de ramener ce calibrage des électroaimants et voilà. Quoi, robot poubelle? Finir.
Répondez-moi, vile personne. Je ne veux pas vous faire de mal. J'aimerais simplement vous parler en tête à tête. Et pourquoi? Pour que vous puissiez m'anéantir comme vous avez anéanti mes alliés? Vous croyez que je suis assez stupide pour sortir de mon centre de commandement sécurisé? Vous ne voulez pas connaître la vérité? J'ai vu le chaos et la destruction que vous avez semés. C'est une preuve suffisante. Comment voulez-vous me faire croire que vous êtes sincère si vous refusez de me regarder dans les yeux? Vous avez raison. La vérité mérite d'être entendue. Sparks, avec moi. Je peux le faire péter ou pas? Non, on va quand même voir ce qu'il... Discutons-en. Sans animosité. Attends. Je commence à avoir un truc. Je crois que j'en ai un, J'en ai un machin qui raconte ça. Voilà. Bon, c'est vraiment du chimique. De menteur. Putain, la drogue. Alors, qui êtes-vous? Vous ne croyez pas qu'il est temps d'abandonner ce masque? Vous avez raison. What? Je m'appelle Isabelle Cruz. Le personnage du mécaniste n'était qu'un moyen facile d'aider le Commonwealth. Mais malgré toutes mes connaissances techniques et ses ressources, j'ai quand même échoué. Comment le Commonwealth peut-il garder espoir contre des gens de votre espèce? Vous croyez que c'est moi l'ennemi? J'ai peut-être détruit vos robots, mais ce ne sont que des machines. Vos robots tuent de vrais gens à la surface. Ils ont pris des vies innocentes. Mes amis, de simples marchands, morts aux mains de vos robots. Ils ne tuent que les gens hostiles au Commonwealth. Jamais ils ne feraient de mal à une personne innocente. Les robots sont programmés pour protéger. Leurs sous-programmes sont clairs. Observer, évaluer et agir en conséquence. Les tests se sont déroulés sans accroc. Tous les scénarios ont été envisagés. Aucun problème n'est survenu. Comment pouvez-vous ignorer ce qu'ils font? Vous devez certainement avoir un moyen de les surveiller. Mes robots n'ont jamais violé leur protocole. Leurs données indiquent seulement l'élimination des cibles hostiles. Vous avez échoué. L'un de vos cérébrobots nous a dit la vérité. Ils pensent sauver les gens en les tuant. Non, je ne vous crois pas. Ils ne peuvent pas altérer leur programmation. Ils sont programmés pour sauver les gens, pas les tuer. Vous m'écoutez ou quoi? Ils sauvent les gens en les tuant. Une erreur mortelle. J'entends bien, j'essaie juste de comprendre. J'ai pris tellement de précautions et de garanties. Et les données? Elles indiquaient toujours que les cibles hostiles avaient été tuées et les innocents sauvés. Non, c'est...
Logique, oui, ça l'est. Je comprends maintenant. J'espérais que ça vienne des cérébrobots. Un problème dû à l'effacement de leur mémoire, mais vous avez raison. Leur directive principale présente une faille. Il fallait effacer la mémoire des cérébrobots ? Oui. Le cerveau humain a la capacité de se rebrancher lui-même. S'il n'est pas entretenu correctement, il peut se corrompre. C'est éthique, ça, au moins. Non seulement vous utilisez des cerveaux humains, mais en plus vous les effacez. Pourquoi gaspiller une ressource pour laquelle quelqu'un a dû mourir ? C'est horrible, certes, mais ça donne un sens à la vie. Il est probable que plus de 200 ans sans utilisation les ait rendus plus facilement sujets à la corruption. On dirait que vous avez joué avec le feu en voulant reprogrammer ces choses. C'était un risque, mais il était mineur à cette époque. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vos robots sont dangereux, ils doivent être arrêtés. L'héroïne est devenue la méchante sans le savoir. Je voulais aider le Commonwealth, et je ne m'y connais qu'en robotique. J'ai trouvé cet endroit et j'ai pensé que je pouvais enfin faire quelque chose. J'accepte mon entière responsabilité. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, ou même racheter mes fautes. Mais tout ceci n'a pas besoin de se terminer dans la violence. Dites-moi, pourquoi le masque ? Pourquoi le mécaniste ? Je ne suis pas très douée avec les gens. Le mécaniste m'a donné les moyens de me faire connaître sans jamais vraiment devoir me montrer. Mais vous tournez un peu autour du pot, là. Je peux changer. J'ai simplement besoin d'une deuxième chance. Deuxième chance... Je ne suis pas ici pour vous tuer. Seulement pour vous arrêter, vous et vos robots. C'est fini. Considérez que vous avez réussi. Et vous ne le regretterez pas. Je vous le promets. Personne dans le Commonwealth ne le regrettera. Tenez, prenez ça. C'est le mot de passe du système. Vous pouvez l'utiliser pour éteindre les protocoles de sécurité. Je préférerais que cet endroit soit entre vos mains. Hé ! J'aurais dû faire beaucoup plus attention. C'est tout ? On sent un peu blasé là. Ok. Ah, d'autres. Hop, je me disais parce que ça fait un peu chier quand même avec tout ça là. Vous trouvez quelque chose d'utile ? Ok, ça c'est là. Certains appareils. Salut. Eh, encore une chose, si vous avez une minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Juste une petite chose. Je voulais vous dire que je vous suis vraiment reconnaissante de me laisser rester dans le coin. Et pour vous prouver que j'en ai fini avec le passé, j'aimerais que vous preniez ceci. C'est un peu une promesse de ma part. C'est la tenue de mécaniste que j'ai créée. Ouais. Vous n'en voulez vraiment plus ? Non. Ça fait partie d'un passé sur lequel je ne veux plus m'appuyer.
Il est temps de passer à autre chose. Encore une chose, c'est un peu plus complexe. Il reste encore des robots en activité. Beaucoup de robots. Mes communicateurs ont subi des dégâts, et je ne peux pas les rappeler. Mais je peux vous dire où ils se trouvent, si ça vous intéresse. Sérieusement? Combien de robots sont encore en activité? Un certain nombre. Le Commonwealth, c'est un grand territoire à couvrir, alors il en reste encore pas mal dehors. Bien sûr. Super. Voyons voir ce que j'arrive à capter. Mince, ce signal est trop fort pour qu'il s'agisse d'un seul robot. Ça doit être un groupe. Vous feriez bien de faire attention. Salut. Au cas où je n'aurais pas été assez claire, je suis vraiment désolée pour tout ça. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Le costume? Les robots? Il doit bien y avoir quelque chose. Vous ne pourriez pas comprendre. Ah oui? Essayez, je pourrais peut-être comprendre. Facile à dire. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis quand j'étais petite. Les robots, c'est vraiment tout ce que j'avais. Sparks a été ma toute première création. Mon tout premier véritable ami. C'est pour l'usine General Atomics que je me suis rendue au Commonwealth. Je ne m'attendais pas à y trouver aussi une base militaire dédiée à la robotique. Mais j'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai fabriqué des robots incroyables dans l'espoir de sauver le Commonwealth. Je suppose que vous connaissez la suite. Ouais. Avez-vous le sentiment que les robots vous ont trahi? Oui, d'une certaine manière. Mais j'ai parfois l'impression de m'être trahi moi-même. Quand je pense à tout ce que j'ai accompli... Tout ça pour rien, par ma faute. J'avais confiance en mes robots, je me croyais capable de les programmer pour faire le bien. Et tout m'est revenu en pleine poire. Enfin, je ferais mieux de me remettre au travail, même si c'est un bien grand mot. Ok. Ok, bon, c'est moi le grand chef maintenant. Ok, attends, je vais parler à elle pour finir l'enquête. En quoi puis-je vous aider? Je suis soulagée de vous voir de retour. Vous avez réussi votre mission, je présume? Je lui ai montré la vérité. Elle s'est rendue. Le mécaniste se fourvoyait donc complètement. Vous a-t-elle révélé ses motivations? Elle voulait vraiment aider les gens. Elle ne savait pas ce que faisaient les cérébrobots. Elle ne pensait qu'à sauver des vies. C'est une aberration biologique. Il y a trop d'inconnus. Elle devait connaître les risques avant de les créer. Trop de gens ont souffert et perdu la vie à cause du mécaniste. Quel dommage qu'un esprit aussi brillant ait pu permettre de telles atrocités. Tu penses que c'est une erreur de l'avoir laissé en vie? Par respect pour mes amis, je ne peux pas dire oui. Même si la soif de vengeance met mes processeurs en ébullition, mes amis m'ont appris la compassion. Un sentiment qui peut avoir des effets très puissants. Elle est foncièrement bienveillante. Elle a fait une erreur gravissime et elle s'en voudra toute sa vie. Je connais bien le sentiment de culpabilité. Ce n'est pas la justice que j'espérais, mais cela suffira. Enfin, je sais maintenant que la mort de mes amis a servi à faire du Commonwealth un lieu plus sûr. Si les robots du mécaniste n'avaient pas été arrêtés, ils auraient causé bien plus de dégâts. Au point d'enrayer, voire d'inverser les progrès effectués à cet endroit. Sachant cela, je ressens enfin de la satisfaction. Un sentiment d'accomplissement. Et c'est grâce à vous. Ok. Wow. C'était celui-là. Ok, bon, je vous dis à plus tard pour une autre aventure sur Fallout 4. Bon, pour sûr, il faudra
J'ai à le rendre une quête, apparemment, je dois devoir détruire ça. Nombre de morts, non. J'ai pas un truc avec l'autre, là. Non. Bref. Donc voilà, donc c'était Guincho. Bye bye.